Le projet, il est né de l'envie de faire, de mettre dans la lumière pas mal d'anecdotes et de souvenirs et de petites tranches de vie comme ça que j'avais pu capter pendant mes années de travail nocturne, puisque avant de faire de la bande dessinée, je travaillais dans les bistrots et dans les boîtes de nuit. Voilà, j'étais barman, portier, des trucs comme ça. Et pendant ces années-là, j'ai croisé pas mal de gens qui m'ont laissé des souvenirs émus, intrigants. Voilà, il y avait pas mal de petites choses comme ça. Énormément d'histoires et de tranches de vie qui me revenaient tout le temps quand j'essayais d'écrire des scénarios originaux. Et j'ai fini par me dire, est-ce que je peux pas faire un récit avec tout ça? C'est-à-dire faire un peu en narration ce qu'un DJ fait en musique, c'est-à-dire utiliser la vie des autres pour faire des morceaux de musique originaux. Moi, j'ai fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire j'ai créé le lien fictionnel, le liant même, on pourrait dire, de plein de petites histoires vraies pour qu'ensemble, elle raconte une autre histoire qui, à mon avis, avait un sens, quoi. Voilà. Donc l'idée de base, c'était ça. Et de là est venue la création des personnages et le fil narratif donc, de cette préparation de braquage qui est la partie fictionnelle. Ça, je n'ai jamais préparé de braquage. Je le confesse ici. Voilà. En cherchant un dessinateur pour faire cet album, j'ai découvert. Enfin, j'avais vu quelques années avant, je ne sais plus très bien, j'avais vu le travail de Rodgen qu'il postait régulièrement sur un site qui s'appelle Café Salé, qui est connu. Et ça me paraissait vraiment être ce que je voulais pour ce type de bande dessinée, quoi. Donc je l'ai contacté de manière totalement cavalière par internet, comme ça, en lui disant bonjour. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai découvert qu'il habitait aux États-Unis, qu'il faisait du dessin animé et que donc il faisait pas de bande dessinée parce qu'il n'avait pas le temps. Voilà. Ouais, non, c'est sûr que bon, c'était un boulot à côté du mien, quoi. Donc, c'est pas un domaine non plus que je connais beaucoup. Et ça me demandait aussi pas mal de sacrifices de le faire. Mais j'étais tellement amoureux du script, je suis tombé raide piqué, que j'ai décidé de le faire de toute façon, quoi, n'importe quel prix. Et donc j'ai dû après le convaincre quand même d'être patient. Parce que évidemment, je pouvais bosser dessus que le week-end. Donc 124 pages, fallait qu'il soit super patient avec moi, quoi. On a mis 3 ans, Ouais. 3 ans et quelques à le faire, donc forcément. C'est un rythme spécial, hein, pour voilà. Je faisais une page tous les dimanches et je lui envoyais le lundi matin et pour qu'il l'approuve ou pas. Bah tiens, on commence. C'est un duo en contrepoint, le plus jeune, le plus vieux. Il y en a un qui est plus cérébral, c'est le plus jeune, c'est Vincent, c'est le narrateur de l'histoire, c'est lui qui nous raconte cette sombre histoire. Je voulais que ça sente le truc mal dégrossi, qu'il nous raconte son histoire sans l'avoir vraiment préparé. Il s'arrête, il fait des digressions, il ose pas, il le fait à reculons. Je voulais que ça sente un petit peu, que ça soit un petit peu brouillon dans sa façon de fonctionner, parce que c'est un cérébral, mais c'est un cérébral qui bordélique, voilà. Et Gabi, son acolyte, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui n'est pas habité par le doute, hein, comme on peut dire, et il se pose peu de questions, mais elles sont intéressantes, les peu qui se posent. Et voilà, qui vient évidemment porter un point de vue. Décalé et en contradiction avec évidemment la vision de Vincent, la vision des choses de Vincent. Ben, un petit peu dans la mesure de la façon dont il les a décrits. Moi, je voulais aussi que graphiquement, il soit complètement différent, évidemment, entre Gabi qui est plus caricatural, qui est plus, même graphiquement, qui est plus caricatural tel qu'il l'est dans sa personnalité, quoi. Et puis Vincent qui soit plus passe-partout, en fait. Qui ce soit un peu le monsieur tout le monde de n'importe où, que ce soit pas que ce soit pas gueulard, quoi, comme design. Je veux un truc assez monsieur tout le monde. J'imaginais, même pour Bernard, chaque fois j'imaginais certains acteurs
à peu près la façon dont je pouvais les caster, quoi. Bernard, c'est un espèce de vieux Gérard Lanvin. C'est aussi un espèce de mélange avec un pote à moi. Vincent, j'imaginais un Duvauchel, quoi. À chaque fois, je me basais comme ça sur des castings, quoi. Je faisais un peu mon casting que je soumettais à Will. Et voilà, quoi. Donc ils ont un petit peu évolué comme ça. Ah non, moi, c'est totalement charnel, les frères Cohen. C'est ma... En cinéma, en tout cas, c'est ce dont je me sens le plus proche. Que je qualifie pas de loser, justement. Je me méfie beaucoup de ce terme. Mais en tout cas, d'anti-héros et de... Voilà, de galériens et de personnages, surtout, qui peuvent avoir des défauts. Et des défauts qui peuvent même être rédhibitoires, souvent, dans les films de frères Cohen. Et même qui sont, en fait, justement, cette façon d'écrire en définissant les personnages par leurs défauts, c'est-à-dire leurs valeurs non positives, fait un sacré cinéma. Et moi, je l'aime beaucoup. J'adore quasiment tous leurs films. En fait, moi, j'écris pas mal en contrepoint, j'écris pas mal en réaction avec ce que je peux trouver des fois dans le mainstream, en fait, et qui m'énerve. Et donc, quand quelque chose m'énerve, en général, je fais un scénario derrière, surtout pour proposer autre chose, en fait. Quand je vois que quelque chose s'installe petit à petit, bon, voilà, moi, je ne suis pas très, par exemple, attiré par les super-héros, je trouve qu'il y a des dimensions assez dangereuses dans le culte des super-héros, qui va avec le culte du surhomme, qui induit le sous-homme. Enfin, il y a pas mal de choses là-dedans que j'aime pas trop. Je préfère les histoires où ce sont des gens ordinaires qui se subliment et qui peuvent être très beaux par un moment. J'ai l'impression un peu que c'est le genre de moment qu'on a créé avec Gabi en partant d'un type qui, je vous l'accorde, n'a pas grand-chose pour lui au début, mais qui, dans une situation en particulier, peut être à la hauteur. Peut avoir un charme certain que pourrait lui envier Batman, par exemple. Voilà. J'ai du mal, moi, à me passionner pour un personnage qui, dans les 5 premières minutes, m'est présenté comme étant le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, le plus drôle. Et j'ai du mal à me passionner. Je vois pas. Je m'en fous, en fait, de ce type-là. Il n'existe pas, je le rencontrerai jamais. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ce que disait Will à propos, justement, de faire une autre offre, c'était exactement ce qui m'avait plu aussi dans le bouquin, quoi. Il était tellement bien écrit que voilà, j'étais content d'y participer, quoi. Et évidemment, ça m'a donné un petit peu envie d'en faire plus, mais ouais, on va prendre une petite pause quand même. Mais non, je suis non, pourquoi pas. Il est reparti dans les pandas qui font du kung-fu. Voilà, tel que vous le voyez. Là. Donc, encore pour un petit moment, quoi. Mais s'il y a quelque chose qui m'attire, si Will me soumet encore un script d'une telle beauté, moi je dis oui. Je ne sais pas si ça sera d'une telle beauté, mais je soumettrai en tout cas. Moi je serais un vieux con à la Gabi. Moi, je serais le vieil arabe qui sort de l'immeuble là, qui dit, si toi, Bougnoul.